من نجاح ينجم يكون في بلادك، بإمكانيات بلادك، بخيرات بلادك، يكفي تلقى الفكرة المناسبة في الوقت المناسب. قبيلة خذينا مثال متاع تونسي كرم البارح، فما توا مؤسسات أخرى أجنبية تم تكريمها من بين المؤسسات المكرمة. نعم. جروب ديمكو أو مجمع ديمكو، مجمع ديمكو اللي رئيس المدير العام متاعه هو ضيفي الآن، جهني دو مايسمان. مرحبا، صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا. بونجور ا توس. بونجور مسيو. بوكو جو فو بارلو ان عرب؟ باسكو مسيو، وعلي نحكي معاه بالعربي يا ليليا، لانه منذ سنه 1987 هو في تونس. تونسي معناها تونسي. تونسي. Je suis plus tunisien que belge, mais malheureusement je maîtrise pas bien la langue, donc c'est pas que vous maîtrisez pas, mais vous évitez de parler en arabe en public. Oui, en plus j'arrive à me tromper lourdement, donc c'est un peu gênant pour les médias. Ne vous en faites pas. Alors, vous nous présentez votre groupe? Oui, nous sommes mon épouse et moi, qui est donc tunisienne. Nous avons démarré en 1991. Après, je suis venu travailler en 1987, mais en 1991, nous avons démarré une première entreprise dans le textile. Nous avons démarré tous les deux à zéro, en fait, de zéro, de simple confection, sous-traitance de confection, mais de petit à petit, de fil en aiguille, comme on dit. En 10 ans de temps, nous avons quand même établi un groupe assez important qui emploie plus ou moins 4000 personnes et qui fabrique des jeans. Nous faisons 3 millions de jeans par an et nous faisons 11 millions de pièces en maille, donc sous-vêtements, vêtements de travail en maille et aussi des t-shirts et des polos pour la grande distribution. Et nous sommes totalement intégrés. Donc, par exemple, avec la maille, on part à partir du fil. On fait nous-mêmes le tricotage, la teinture de tissu et on coupe, on fait la broderie, la confection, etc. Et dans le jeans, c'est bien sûr la particularité spéciale, c'est le délavage qui est très, très demandé. De plus qu'il y a des trous dans un jean, de plus que nous avons de valeur ajoutée. C'est la mode aujourd'hui. C'est la mode, oui. Voilà. À part le textile, nous avons diversifié pas mal des... Il faut dire que je confirme que en Tunisie, il fait bien vivre, mais aussi on trouve un terre fertile pour les investissements. Donc c'est pour ça que mon épouse et moi, on a bien diversifié le nombre d'entreprises. Nous sommes dans 4 autres secteurs. Nous avons des laboratoires de tests, c'est-à-dire tout ce qui est bien sûr aussi produits de textiles ou cuir et chaussures. Vous permettez qu'on commence à traduire un peu? D'accord. Sinon, on va oublier les idées. Merci. Lilia. نعم. دونك هو مشروعه بدا هو وزوجته اللي هي تونسيه، يقول بديت من الصفر وهذه النقطه المهمه. بالضبط. واليوم عمل مجمع وشركه مهمه تخدم في 4000 شخص، تصنع 4 ملايين جينز في العام، وهو الاختصاص نتاعو في غسل الجينز وبرشا نسيج اخر. ولكن انا الحقيقه ضيفك حبيت نساله، لانه نعرفوا اللي الجين والخدمه نتاعو تستهلك برشا مياه، وللاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة ولا يشترط على السوق هذه أنها تكون مقتصدة للمياه ونظيفة في علاقة بالبيئة. منعش إذا كان بدأوا هذا المشروع وهذه الفكرة، وخاصة أنه المنتدى يحمل شعار الطاقة والاستثمار النظيف. بالضبط بالضبط. فما نعم. كما قالها هو في كلامه، قال تبقى أي؟ تونس أي؟ أو ساحة خصبة جدا للاستثمار. وكاليش من اللي بداوا بشركة واحدة وأول شركة في النسيج، كبرت المجالات اللي يخدموا فيها، مشاو نحو المخابر للابوغاتوار والكل. باش نرجعوا التفاصيل التصريح هذه، لكن كما قلت انت واليوم مسيو جون، تقول زميلتي كما يقولوا الناس اللي النسيج وتحديدا الجين يستهلك الماء، سكونسوم De l'eau. Pas vraiment. Dans quel sens? Depuis que nous sommes installés avec notre délavage et même la teinture de le tissu maille, ça consomme effectivement énormément d'eau et c'est même très cher parce que nous sommes alimentés par la sonnette et de plus qu'on consomme, c'est tout à fait logique. Ça coûte plus cher. Oui, ça me coûtait beaucoup. Mais depuis l'installation, on a une belle, on a respecté toutes les lois, soit tunisiennes, soit européennes. On a une station d'épuration très performante, donc on n'a jamais déversé des eaux usées qui sont polluantes dans les réseaux d'ONAS. Mais
petit à petit, nous avons aussi su recycler de l'eau. Donc, 10 ans passés, on était à 25% de recyclage. Aujourd'hui, depuis 4 ans, nous sommes à 85% de recyclage d'eau. Donc, c'est-à-dire que 85% des eaux qu'on utilise, qui sortent de nos usines, ils sont nettoyés, recyclés, ils sont réutilisés dans le système. Donc, on est à 15% de consommation d'eau par rapport à 10-15 ans passés. Ce n'est pas tout. Nous sommes encore moins que 15% par les investissements dans les matériaux, par les matériels, en fait, des machines plus sophistiquées, plus modernes, qui consomment dans la teinture ou dans le délavage beaucoup moins d'eau. Et on a des nouveaux procédés, on a des autres produits chimiques qui font qu'on a pu baisser déjà 50% notre consommation d'eau avant que nous avons investi le recyclage d'eau. Donc, nous sommes à moins 92% de consommation d'eau depuis... Depuis 4-5 ans, en fait. Donc, c'est avec la nouvelle technologie que nous avons. Donc, on est في قلب شعار منتدى تونس للاستثمار نبيل اللي هو تونس نعم تلتقي الاستدامة بالفرص يقول يتم رسكلة المياه المستعملة في غسيل وصباغة الدجين بنسبة 85% من 4 سنوات وهذا نجاح مهم جدا على مستوى البيئة 95% من المياه المستعملة يتم رسكلتها وإعادة استعمالها حفاظا على المياه وأيضا حفاظا على الكلفة لأنه هذا هو التصرف الاقتصادي الذكي معناها صديق للبيئة وفي نفس الوقت كبروا المشاريع نتاعهم Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux jeunes Tunisiens quand vous parlez d'investissement en Tunisie à tous ceux qui veulent partir qui pensent que le rêve se réalise ailleurs Le rêve peut être partout et surtout en Tunisie. Moi, j'ai réalisé mon rêve en Tunisie. Je suis la preuve vivante qu'à partir de zéro, on peut démarrer petit à petit. Il faut avoir de la patience. C'est peut-être le conseil que je peux donner aux jeunesses tunisiennes, c'est d'avoir de la patience. Le jour au lendemain, on ne peut pas avoir tout. On ne peut pas avoir un beau bureau, une belle voiture et tout ce qu'il faut. Il faut démarrer. Moi, j'ai démarré avec une voiture qui valait dans le temps 100 €. Quoi. J'ai amené une 2 chevaux de la Belgique pour pouvoir... J'ai mis tout mon argent dans l'équipement, dans le besoin de trésorerie de mon entreprise. Et je me suis restreint au maximum, mais l'épouse et moi, on mangeait des casse-croûtes le soir. Donc, on faisait pas de... donc, il fallait serrer la ceinture et il fallait travailler dur. On travaillait de 6 heures le matin jusqu'à parfois 24 heures le soir. On faisait... On essayait de faire le maximum nous-mêmes parce qu'on n'avait pas les moyens pour embaucher des grands cadres, etc. Donc, certaines tâches administratives, à part les tâches dans la production, nous tombaient dessus. Mais bon, au bout de 2-3 ans, on a su avoir une rentabilité et un premier bénéfice. Et le résultat est positif, on le voit aujourd'hui. Donc, la patience, c'est la clé, je crois, et le travail. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Merci. الصبر وكسكروت كيف تيجي هذا اللي فهمته انا قال لنا وقت اللي جيت هو نصيحه للشباب التونسي قال مش ديما الحلم يتحقق لبرا من تونس لانه انا حلمي كان في تونس جيت انا من برا مش نحقق حلمي في تونس نقول للشباب التونسي قال لازم تكون صبور لانه اول ما بديت بكرهبه شريتها ب 100 يورو جبتها معايا من بلجيكا وايضا بكسكروت انا سالته عن التيجي لانه اكيد من هواه الاكله التونسيه بما انه مولع ومغرم بتونس فقال كنت على الكسكروتات نعيش وبديت بشوي بشوي لازم برشا صبر برشا خدمه مش نوصل نحققوا احلامنا الناس الكل. اوكي عملوا الصبر وكلا الكسكروتات ومن بعد واحده من اكبر الشركات الاوروبيه في بالي قال عامين اوكي عملوا قال طول سواغ يتعشى كسكروت. قديش لازم صبر عامين ثلاثه؟ قديش؟ 2-3 ans. عامين ثلاثة باهي برشا شكرا نقدروا عليهم نمشي الصحة نبيلة نعم بسرعة كان في ثلاثة دقائق إذا كان عندك نبيلة لأنه باش نمشيو لضيوفنا في القصرين وفي باجة اللي في انتظارنا إذا كان ضيفك بحذاك ناخذوا معاك الضيف الأخير في متابعة